Les commerces de vapotage n'ont plus le droit de vendre des produits aromatisés depuis ce matin. La nouvelle loi entre en vigueur. C'est un complot, c'est simple de même. On enlève les saveurs, mais un moment donné, c'est le droit de vote aux femmes. Ouais. Je sais même pas que c'est un fruit cerise, esti. Par contre, SAQ, là, tu veux de quoi? Mou de pomme? C'est pomme, ça? Je peux boire ma pomme, mais je peux pas fumer, calice. Crisse-moi le feu à Saint-Bruno, au pire, là. Blur rat. T'as-tu déjà cueilli une blur rat? T'as déjà cueilli des blur rat. T'es déjà allé cueillir des blur rat. Non, ma décision est prise. Moi, je déménage à Kanawake. À la base, les vapotes, ils ont mis avec des saveurs. Tout le monde a commencé à fumer. Mais là, on est trop sur la terre. Fait qu'ils veulent nous couper ça sec, qu'on se batte puis qu'on se tue. L'objectif, ce n'est pas vraiment d'arrêter les personnes qui possèdent ce genre de vapoteuses-là qui ont des arômes. C'est plutôt d'en interdire la vente. Claudé, mes prêts et bourses, on a tout racheté, mais c'est un investissement. Exclusive! Échantillon! 30$ unité! Alors, on a un nouveau produit révolutionnaire. C'est des vrais fruits avec une clope. 20$ unité, on fume bio ici. Amène ton fruit, c'est moitié prix.